Ce message vous est proposé par la communauté catholique Mère du Divin Amour en son centre d'excellence d'Angers. Que le Saint-Esprit vous rejoigne. Acclamons pas Jésus plus fort. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia. Et nous avons dit que pour attaquer ces esprits qui combattent nos mariages, il fallait une stratégie de combat. En Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 17. Pour ce qui est de la stratégie proprement dite, première chose, quand vous voulez affaiblir l'adversaire, quand vous voulez gagner le combat sur l'adversaire, il faut commencer, dit les Écritures, à briser tout pacte avec lui, toute alliance avec lui. Et après cela, deuxième élément, il faut renverser sa tour de contrôle. Il faut renverser sa stratégie. Il faut renverser sa stratégie. Son centre d'opération. Très important, parce que quand vous frappez, le centre où les décisions se prennent, vous êtes sûr que l'adversaire est paralysé. J'avais certains fils, malheureusement, certains sont décédés pendant la guerre. Et tous les officiers qui revenaient de Tiébissou, de Yamoussoukro, vers Abidjan, beaucoup étaient désorientés. Most of them were just geared in another way. Malgré qu'ils étaient des officiers, pourquoi? That's why they were officials. Why? Parce que la chaîne de commandement était rompue. Il ne recevait plus d'ordre de la hiérarchie. À cause de la guerre. Et donc, même si c'était des officiers de terrain, il n'y avait personne pour coordonner leurs actions. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il nous fallait renverser, il fallait briser et détruire leurs autels. Dans le combat spirituel contre les ennemis du mariage, ne prenez jamais à la légère le fait d'adresser des prières violentes et brutales contre les autels. C'est très important. That's very important. Et quand vous avez fini ça, nous allons poursuivre notre traitement ce soir. We're gonna pursue our treatment tonight. Nous allons poursuivre notre action we're ce soir. Pursue our actions tonight. À quoi est-ce que nous allons continuer? What are we gonna continue with? Bien-aimé, un élément qu'on néglige, one of the enemy, mais qui nous influence nous tous, that influences all of us, quel est cet élément? What is this element? C'est tous les liens du cordon ombilical. It's all the bond links with the umbilical cord. Parce que pour vous qui êtes familier ici, because for you that are familiar with here, et dans tous les autres ministères de prophétie et de délivrance, all the other ministries of prophecy and deliverance, vous allez vous rendre compte que you realize that l'esprit va dire souvent, the spirit will say most often, une phrase qui est caractéristique de beaucoup de choses. A phrase that's characteristic of many things. On me l'a donné. They gave him to me. On me l'a donné. They gave him to me. On me l'a donné. They gave him to me. Et très souvent, il va dire l'origine de ce don, la provenance de ce don. Et vous comprenez que souvent la personne là, la personne qui est en train de subir la délivrance, ne sait pas ce qui était fait derrière. C'est pourquoi il faut traiter ces liens, ces cordons ombilicaux spirituels qui nous relient aux adorations passées, surtout aux adorations des eaux, et puis aux adorations liées aux pratiques de sorcellerie. Et il y a des tests pour traiter ça. Et avec le secours de sa grâce, nous allons traiter ça ce soir. Il ne faut pas cette prière de ce français là qui est arrivé dans une assemblée de délivrance et qui voyait que les gens étaient agités, les gens tombaient, les gens criaient. Il va faire une petite prière à Satan. Satan, moi je suis un homme pacifique. Je ne cherche pas des histoires. Je ne te dérange pas. I don't disturb you. Alléluia. Alléluia. Lui, il ne connaît pas ce langage. He doesn't know that language.
Malheureusement, vous refusez de les traiter pendant que le mariage est doux. C'est une illusion. Parce que leurs actions sont multiformes. Ça peut être les finances. Ça peut être la maladie. Ça peut être beaucoup de choses. Si vous regardez seulement le caractère ou le fait que la femme ou le monsieur sont dehors, vous n'approchez qu'une seule partie de ce problème. Donc nous allons traiter les cordons ombilicaux spirituels. C'est vraiment un sujet qui me tient tellement à cœur. Et quand nous allons continuer dans notre prière, il y a aussi des traitements que le Seigneur nous a donnés. The treatment that the Lord gave to us, pour traiter les liens de sang. To deal with blood links. Voyez, ce sont deux choses à distinguer. See, these are the two things we need to distinguish. Le cordon ombilical, the umbilical cord, et les liens de sang. And the bond of blood. Il faut les traiter séparément. You need to treat them separately. C'est très très important. That's very very important. Très très important. Very very important. Du voisin, c'est très très important. The neighbor is very very important. Du voisin, c'est très très important. The neighbor is very very important. Dire le voisin, c'est très très important. Very, very important. C'est pourquoi nous devons prier stratégiquement. That's why we need to pray strategically. Donc, ce soir, je veux que nous puissions nous attarder sur les liens de sang. Tonight, I want us to delay on the bonds of blood. Les liens de sang sont dangereux. The bonds of blood. Les liens de sang sont dangereux. And they are very dangerous. Mais pas seulement les liens de sang issus de nos familles. Not only blood ties that are coming from our families. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que dans les rapports sexuels, on échange le sang. Que la semence de l'homme, comme la sécrétion de la femme, c'est du sang. It's blood. Donc, il y a des liens de sang les plus dangereux que nous avons contractés à la suite de nos nombreux partenaires sexuels. Our many, partners, alors, tu vas te dire, je suis sauvé. I'm saying, je n'ai connu que mon mari. I only went out with my husband. Là, pose-toi la question intelligente. You need to wonder, est-ce que ton mari n'a connu que toi? Are you sure that your husband only went out with you? You're the only person. That... Donc, il nous faut traiter ça. So we need to treat that. Bien aimé, nous faut traiter ça. Brother, we need to treat that. Les liens de sang qui nous fatiguent là. Tu vois, c'est même pas les parents. It's amazing. It's not even our parents. C'est où on s'est promené là. It's where we all went around. C'est qui est dangereux. And what's most dangerous? Si tu sors avec un gars, if you're going out with a man, tu as couché avec toi. That was met you. Et il y a eu échange de flux. And there had been an exchange of fluid. Et lui, ses parents adoraient l'eau. And his parents had worshipped waters. Tu prends ça. You have to get it from him. Donc si tu as eu 16 gars. And you have 16 men. Et que c'est 16 gars. And the 16 men. Ont eu 10 go chacun. Had, each of them had 10 women. Ça fait 160 démons sur ta tête. It's 160 demons that you have. Il faut faire attention. You need to be careful. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit? You understand what Apostle Paul said? Celui qui se unit avec une the femme. One that unite himself with a woman. Fait une même chair avec elle. Have one flesh with it. Et un même esprit. And one spirit. Ça veut dire qu'il y a un transfert. It means that there's a transfer. Dans lors que vous couchez ensemble. When once you vous échangez notamment des sécrétions qui sont la partie visible, mais vous échangez tout ce qui est spirituel. Et le moment où le pont s'établit bien, où la connexion est fluide là, c'est quand vous atteignez l'orgasme et la jouissance. Là, c'est au début même à ce moment-là. Il faut faire attention à ces choses. Mais Dieu merci, nous allons briser ça. Et nous allons briser, annuler. Parce que tu peux briser les liens de sang. Because you can break blood ties. Mais le mariage qui a été célébré, il faut l'annuler. For the marriage that has been celebrated, you need to annulate. Faut détruire ce mariage. You need to annihilate it. Donc ce soir là, nous allons prier. Therefore tonight we're going to pray. Le mail. Yeah, whatever. Le. Voyez, quand vous allez vous marier à la mairie, you know, when you go for, at the registry, il y a même des gens qui disent, devant monsieur le maire, tout ça là, all this, toutes ces choses spirituelles, on va les brûler ce soir. Parce que ça existe aussi de leur côté aussi. Ça dit, l'homme fort ou le chef de terre, ou celui qui appelle l'acte rituel pour dire, à partir de ce d'aujourd'hui, toutes les filles du village que tu vois là, sont des femmes. Are your wives? C'est lui qui a proclamé.
But he had already done the proclamation. Dites le plus pas Bacha de proclamer ça encore. Burnett is going to find a way to. Alléluia. Hallelujah. Et puis après ça. And after this, on va s'attaquer aux maris et femmes de nuit. We're going to attack spiritual husbands and spiritual wives. On va les faire sortir. We're going to chase them away. Vous voyez, c'est pas compliqué. It's not complicated with repeat. Alléluia. Hallelujah. Et quand nous allons finir ces étapes, so we're going to finish this step. Nous allons faire sortir tous vos mariages des eaux maintenant. Bring all your marriages from the world. Ça c'est un point de la prière important. That's an important point of prayer. Et ça c'est un point de prière qui demande votre participation active. A prayer points that's really active. Parce que ça, on est obligé ce soir de compter sur vos anges. That then we obliged to count. Voilà, on doit aller prendre tout. We're going to get so we can go and take everything. Tout ce qu'ils vous ont volé. Whatever that was stolen from you. D'autres membres, leur argent va ressusciter. Ce soir, quand ils vont dormir, ils vont voir comme si ils rentrent dans une pièce où ils voient de l'or, du diamant, c'est que tout est revenu. Voilà. Et je vous assure que leur gros problème, c'est finance. Parce qu'ils savent que si tu as l'argent, tu as cherché à te marier. Et le démon s'est rendu compte comme de voir les chrétiens de maintenant. Ils ne sont pas prêts à la souffrance. Donc, il ne se fatigue même plus maintenant. On a rendu Satan paresseux tellement c'est facile pour lui maintenant. Quand ça va dans un couple, when it works in a qu'est-ce couple, qu'il fait? What do they do? Il crée des problèmes financiers. They create financial problems. Parce que les gens se boutent à cause d'argent. The way people grumble is because même des gens qui se disent spirituels. Hein? Even spiritual people. Quand la fin de mois arrive, qu'il n'y a pas l'argent. When the month comes, when there is the money. Oh, c'est là well, qu'il faut faire mentir Satan. You should make Satan to lie. Il y a des ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont moins nantis, qui sont plus pauvres. Watch as those who don't have money, that's they're poor. Ils n'ont pas l'argent pour aller au cinéma, pour aller à la plage. Cinema, to the beach. Mais ils enceintent les femmes. But they pregnate your wives. Ils sont heureux. They are happy. Donc tu dois pouvoir créer ton sang de joie. Il faut pouvoir dire à Satan, you should be able to tell Satan la chose la plus précieuse que j'ai. Most precious thing that I j'ai have. Ma femme. I have my wife. J'ai mes enfants. I have my kids. Au moins Dieu nous donne la santé. At least the Lord gives us tout le reste viendra. All the rest will come. Tout le reste viendra. All the rest will come. Donc ne déprime pas. Therefore, don't be depressed. Donc il y a des paroles de Dieu que nous allons proclamer. The words of God we're going to proclaim. Pour faire sortir des eaux. To bring out of the waters. Des termitières. From the termites. De tous ces lieux où nos mariages sont fermés. Places where our marriages are shattered. Et quand par la grâce de Dieu nous allons finir ça. When through the grace of God we're going to finish this. Quand nous allons finir ça. We're going to finish that. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Nous allons proclamer que tu te maries dans les trois mois qui viennent. Pray for you to get married in 3 coming months. Ah, c'est ça là, amen. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Amen. Voilà. Il y a des gens qui croient que c'est le mariage qui a résolu tous leurs problèmes. Toi, tu comptes sur l'enfant de quelqu'un d'autre pour résoudre tes problèmes. Non. Else le jour où tu as commencé à penser que dans le mariage, you start thinking that marriage, tu viens pour aider quelqu'un à résoudre ses problèmes à lui, to solve his own problem. Dieu va permettre que tu te maries. Mais toi, tu penses que quand tu lui demandes, ah, hey, vraiment, je ne fais rien. Vraiment, je ne fais rien. Mais quand tu ne fais rien, tu demandes travail. Tu ne demandes pas mariage. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons terminer pour que le sang de Jésus rachète nos mariages vendus aux sorciers. Alléluia. Élève les deux mains dans sa présence. Élève les deux mains dans sa présence. Et avec le cœur, commence à invoquer le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir. 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 Invoque-le. Dans le besoin de son secours et de sa force. Demande-lui de venir à ton secours. Lève les deux mains. Qu'il vienne spécialement soutenir notre combat.
Que les anges voient ta main levée. Tous les liens de sang qui nous relient à nos parents, qui activent les malheurs, qui frappent la famille. Ton frère aux États-Unis, ta soeur en France, un autre au Canada, mais à cause des pratiques de tes parents, vos vies se ressemblent. Tu attends de ressembler à ta mère. Tu attends de ressembler à ton père. Alors demander le secours de sa grâce. Que ces liens de sang soient cassés. Et la parole pour effectuer cela. C'est l'apôtre Jean qui nous donne ça. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Il dit. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous ses péchés. La version grecque originale dit nous sépare de tous ses péchés. Vous voyez comment c'est? C'est un antidote très fort. N'oubliez pas que la parole est esprit. Et quand vous déclarez la parole avec foi, avant de revenir à ce verset de prière, Hébreux chapitre 4, verset 12, je veux que vous compreniez que la parole de Dieu est une épée. C'est une épée sur tes lèvres ce soir. Il dit en effet la parole de Dieu est vivante. Et si vous comprenez ça, je veux que vous qui êtes des catholiques traditionnels ou bien des chrétiens évangéliques protestants, pour nos frères musulmans, ils viennent d'arriver, vous devez comprendre que la parole est vivante. Donc, pendant que tu vas dire ces paroles, ce n'est pas des mots qui sortent de toi. C'est un esprit que tu actives. Et c'est pourquoi tu peux obtenir une délivrance. Et c'est pourquoi Dieu nous a inspiré de prier pour invoquer son nom sur la base de la parole et de déclarer la parole de délivrance. Et c'est pourquoi ils sont obligés de partir. Donc, l'auteur de Hébreux dit ceci, la parole de Dieu, ce que tu proclames tout à l'heure, est vivante. Et elle a une efficacité. Et elle est plus tranchante que toute épée. À deux tranchants. Pénétrante. Jusqu'à séparer âme et esprit. C'est à ce niveau-là que le démon est logé. Entre l'âme et l'esprit. Parce que le démon ne peut pas être logé dans l'esprit. C'est pas possible. Il peut seulement influencer l'âme. Le siège de notre personnalité, de nos émotions. L'esprit appartient à Dieu. Mais l'esprit peut être mis sous éteint noir. L'esprit peut être éteint. Et la parole vient pénétrer ce lieu. Et fait la séparation. Je tue et Moël. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, je veux que tu réalises que tu penses à ça. Ce ne sont pas des mots creux. Ce n'est pas des titres de journaux que tu vas proclamer tout à l'heure. Ce n'est pas des paroles vaines. C'est une parole vivante. C'est un esprit que tu vas relâcher tout à l'heure. Donc nous reprenons notre texte de 1 Jean. 1 Jean 1, 7. Notre texte tout à l'heure. Et lève la main. Lève la main. Les liens de sang doivent être cassés maintenant au nom de Jésus. Parce que si tu crois en cet esprit qui va te libérer, ta libération est là. Sang de Jésus, trois fois, un de toi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole déclare. Ta parole déclare. Mais si nous marchons dans la lumière, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ. Son Fils. Son Fils. Nous purifie. Nous purifie. De tout péché. De tout péché. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu de ma louange. Dieu de ma louange. Sur la base de cette parole. Sur la base de cette parole. Je commande. Je commande. Que tout lien de sang. Que tout lien de sang. Tout lien qui m'unit à mes parents.
corps. Vous à leurs adorations des eaux. À leurs adorations des eaux. À leurs pratiques de sorcellerie. À leurs pratiques de sorcellerie. Sur la base de ta parole. Sur la base de ta parole. Que ces liens de sang. Que ces liens de sang soient brisés. Sang de Jésus trois fois, un, deux, trois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toute malédiction héritée de mes parents. Toute malédiction héritée de mes parents. Qui frappe mon mariage. Qui frappe mon mariage. Tous ces liens de sang. Tous ces liens de sang. Qui bloque mon mariage. Qui bloque mon mariage. Je commence ce soir. Je commence ce soir. La grâce de la séparation. La grâce de la séparation. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je me sépare. Je me sépare. De toute influence. De toute influence. Malédiction. Malédiction. Lié à ces liens de sang. Lié à ces liens de sang. Lié à ces liens de sorcellerie. Lié à ces liens de sorcellerie. Lié aux adorations des eaux. Lié aux adorations des eaux. Je me sépare. Je me sépare. Lève les deux mains. À cause de cette parole que nous allons invoquer. Lève tes deux mains. Asperge-toi avec le sang de Jésus. Et bois le sang de Jésus. Demande que la substance vitale, la substance de vie qui renferme le sang de Jésus pour notre salut, pénètre ton âme, ton esprit et ton corps au nom puissant de Jésus. Maintenant que tu t'es aspergé, active ses propriétés. Sang de Jésus, trois fois, un de toi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et à cette parole, Hébreux chapitre 9, verset 19 à 22. Je veux que tu fasses cette prière agressivement. Pourquoi? Les liens de sang à cause des pratiques sexuelles. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est très dangereux. Et je vous ai dit ici, pour ceux qui ont suivi sur YouTube mon enseignement sur la sirène des œufs et ses œufs, je vous ai dit quand vous couchez avec quelqu'un, son esprit vous accompagne dans le mariage. Et là où c'est dangereux, si c'est une personne qui est une personne de sorcellerie ou occultiste, et si elle a prononcé une parole, même si vous étiez maîtresse, avant tu m'as laissé. Tu ne vas pas te marier, tu vas voir. You're not going to get married. Ne jouez pas avec ça. Don't joke with it.
Ça va vous poursuivre. It will follow you. Une femme a minimisé ça. Minimize that. Le gars l'a quitté, pardon, elle était enceinte. She was pregnant. Et elle était vraiment fatiguée de l'attitude de ce gars. She was really tired with the man. Donc elle dit, she said, quitte ma maison. My house. En plus, elle habitait chez elle. And et elle lui a dit, and, ah bon? Told her, is that même so? Si je quitte ta, ta vie, even if I leave your life, cet enfant n'en sert à rien. That child wouldn't be anything. Elle a fait tous les examens, elle avait les moyens, en she France, partout. France, on dit l'enfant était bien. The child was okay. Quand l'enfant est né, when the child came to, tétraplégique, she gave birth, she had a, he had a problem. L'enfant est mort quand il avait 12 ans. The child died at, 12 years. Ne minimise pas ses actes. Don't minimize dès lors que tu as couché avec la personne, when once you make love with the person, son esprit t'accompagne. The spirit follows you. Et si elle peut te dire c'est fini, and if she tells you it's finished, mais je vais vous donner. Je vais vous donner un signe. I'll give you a sign. Soit même quand vous êtes marié. It's tough when you're married. Quand la personne vous voit. When the person sees you. Soit dans un voyage à l'extérieur. Either in a trip, soit, trip outside, au village. Or your village. Regardez son attitude. Watch his behavior. Elle a tendance à vous draguer. He has a tendency to. Ça veut dire que c'est dans son cœur. It means it's in her, his heart. Une jeune femme a failli jouer, elle a failli gâter son couple. A young guy, girl, like, almost to joke with us. Quand elle a voyagé son ex-copain en France. When she traveled, her former boyfriend. Ils ont un enfant. In France, they have a child. Elle dit, oh, c'est fini, ils se sont mariés. So it's finished, we already get married. Et puis quand elle allait pour un séminaire. Went for a seminar. Elle est tombée sur lui. She met him. Et il a demandé après l'enfant, etc. And etc. For the child and everything. Il dit, ah, comme tu es venu en France, France, je vais te faire sortir. Elle a dit, bon, c'est dit que c'est. Au moins, ils ont un enfant, il faut maintenir les relations. Ils sont allés manger. Et pendant qu'ils mangeaient, tu sais. Est-ce que ton mari te fait l'amour comme moi je te faisais l'amour? Are you sure that your husband makes love with you as c'est là comme elle prie, elle a réalisé. Elle s'est levée devant les blancs. She just rose up before the white people. Je lis, je menace ta parole au nom de Dieu. C'est là qu'elle a compris d'où venait son mari de nuit. That's where she understood where her spiritual. Et quand elle est venue à Abidjan, when she came back to Abidjan, elle a vu physiquement venir coucher avec lui. She saw him physically came and slept with him. Elle a traité ça. She dealt with that. Donc, souvent ne cherchez pas dans les eaux, etc. Ces gens-là, il a un pouvoir parce qu'il a couché avec toi. Donc, ce que vous avez fait ensemble, par la pénétration, par l'acte sexuel, par l'échange de flux, c'est une adoration. Il y a eu échange de sang. Et si c'est une fille en plus, tu l'as quittée, elle n'est pas contente. Alors que ta semence, elle a recueilli ta semence en elle un jour. She had your semen in her one day. Elle parle contre toi. She speaks against you. Mais par la grâce de Dieu, il y a une parole pour annuler ça. By the grace of God, there's a word to nullify that. Mets les deux mains sur ton bas ventre. Lay both hands on your bottom bellies. Voilà cette parole. This is the word. Même si c'est par des adorations, la personne va tuer un mouton, va tuer un bœuf, va sacrifier un homme. Voilà la parole pour annuler ça. Mets les deux mains sur ton ventre. Sang de Jésus trois fois. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Chacun de nous va proclamer cette parole. 1, 2, 3. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang de jeunes taureaux et de boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je lève ton sang, je lève ton sang, qui est le sang de l'alliance, qui est le sang de l'alliance, et je commande, et je commande, que toute trace, que toute trace, tout lien de sang, tout lien de sang, qui me relie à mes partenaires sexuels, à mes partenaires sexuels, que ces liens de sang, que ces liens de sang, soient effacés, soient effacés, et brisés. Le brochet que tu as levé, je brise, combat le bon combat de la foi. Je brise, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je casse par le sang de Jésus.
Bon, d'autres me diront qu'ils ne connaissent pas leur nom. Pas tellement. Elles sont sorties 150 personnes. C'est pas grave. Mais si tu peux dire leur nom maintenant, c'est important. Et vous allez voir que tout à l'heure, si ces esprits-là sont à la base de vos blocages, ils vont s'exprimer quand on fait la délivrance. Fais ce point de prière avec agressivité. Sang de Jésus, 3 points, 1, 2, 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, sur la base de ta parole, que nous venons de proclamer, que nous venons de proclamer, je lève le sang de l'alliance, je lève le sang de l'alliance, le sang de Jésus, le sang de Jésus, entre moi et mes anciens partenaires sexuels, et mes anciens partenaires sexuels, entre moi, parle. Jeannette, cite le nom maintenant. Cite le nom. Si tu te souviens, cite le nom. Les brochets que t'es rêvé. Je lève le sang de Jésus. Entre moi et mes anciens partenaires sexuels. Je lève le sang de Jésus. Élève le sang de Jésus. Alléluia. Voyez, si vous ne dites pas leur nom avec agressivité, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un cas où la personne va parler d'un pays, chaque fois qu'elle couche avec son mari, son mari a un problème. Mais depuis un certain temps, elle me dit, monsieur, j'ai besoin de délivrance. Shepherd, I need to be delivered. J'ai dit, toi, toujours, tu as besoin de délivrance. I said, you always need deliverance. Elle me dit, mais, she said, but, depuis un certain temps, après que je vais avec mon mari, pour arriver à avoir du plaisir, able to have pleasure, je pense à tel ancien. I think about the former, the il dit, tu as vraiment besoin de délivrance. I said, you really need a deliverance. Donc, tu as cité le nom de séparer Dieu. Si il arrive une fois que ton esprit va uniquement vers. Si c'est Paul, à mon anniversaire, il a me donné temps. Il fait sortir. Il faut briser ce lien-là rapidement. Ce n'est pas avec Paul que tu es marié. Ce n'est pas avec Akissi que tu es marié. Et je vous ai dit, si vous avez pris des cadeaux, si vous êtes marié que vous avez encore leur photo, il faut brûler tout ça. Déjà, pendant cette prière, en esprit, brûlez ces photos. Tout ce qu'ils vous ont donné, auquel vous êtes attaché, offrez ça à quelqu'un. Parce que si vous les voyez dans vos rêves surtout, ou même si vous avez cette tendance, beaucoup ne savent pas que c'est les autres qui vous réclament. C'est-à-dire quand c'est dur, surtout financièrement, tu as tendance à aller vers le breakeur. Pour dire, bon, lui, il est DG de cette société. Je sais qu'il est fond de moi. Tu sais qu'il est fond de toi. Et tu vas lui demander l'argent. Mais l'argent que tu vas prendre de sa part, l'argent, c'est le sang. C'est le travail d'une personne. C'est sa sueur. Oh, la sueur, c'est le sang. Donc, ça opère de la même manière que coucher avec la personne. Et c'est pour tous ceux qui ont pris l'argent de ces personnes-là. Ils vous dominent spirituellement. Sang de Jésus, 3 fois 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout lien de sang. Tout lien de sang. Entre moi. Entre moi. Et mes anciens partenaires sexuels. Mes anciens partenaires sexuels. Dont je viens de dire le nom. Dont je viens de dire le nom. Et qui permet à leur esprit. Et qui permet à leur esprit. De m'influencer de loin. De m'influencer de loin. De contrôler mon mariage. De contrôler mon mariage. De nuit à mon mariage. De nuit à mon mariage. Je commande. Je commande. À ces liens de sang, avec ses partenaires, d'être cassé. Je casse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus. Je dis, je prie. Prie, Seigneur de sang. Je prie. Je prie. J'acclame. Je prie. Pierrette. Je prie. Aline. Je prie. Sangaré. Je prie. Je prie, Seigneur de sang. Dis le nom, dis le nom. Et prie, Seigneur. Dis le nom. Parce que tu dis le nom. Au nom de Jésus. Tu invoques l'esprit. Au nom de Jésus. Tu invoques l'esprit. Je sépare mon esprit. Je sépare mon esprit. Des esprits. Des esprits. De mes partenaires sexuels. De mes partenaires sexuels. Dont j'ai cité le nom. Dont j'ai cité le nom. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je me sépare de. Je me sépare. 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 Si tu es attaché à eux émotionnellement, mets la main droite sur ton cœur, l'autre main sur ton nombril. Récite cette prière avec moi. Vous avez vu, Hébreux chapitre 9 nous a dit que Moïse, même dans l'ancien temps, avait élevé une nouvelle alliance du sang de Jésus qui préfigurait notre alliance. Nous allons prendre ce test pour commander, pour ordonner. Que ces alliances soient révoquées à jamais. Sang de Jésus, 3 fois 1, 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Tu es le médiateur. Tu es le médiateur. Tu es le médiateur. Tu es le médiateur. D'une alliance nouvelle. D'une alliance nouvelle. Et du sang purificateur. Et du sang purificateur. Qui est porteur. Qui est porteur. D'un meilleur message. D'un meilleur message. Que celui d'Abel. Que celui d'Abel. Oh Dieu. Dieu. Sur la base de cette parole, sur la base de cette parole, je déclare que tout mariage spirituel, que tout mariage spirituel dans ma vie, conclu par le sang avec mes partenaires, par le sang, par les adorations, je laisse ces mariages, le sang de Jésus, qui crie plus fort, que le sang d'Abel, et j'entends que ces mariages spirituels, qui influencent ma vie, soient annulés. Soit brisé, et soit révoqué. Révoque. 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 Révoque
Tout à l'heure, pour que cet esprit de mari de nuit vous quitte. Comme je vous l'ai dit, mais il est bien que ces alliances soient révoquées. Si même dans votre cœur vous désirez un ancien compagnon, il faut traiter ces sentiments dans votre cœur ce soir. Sinon, ça va combattre votre mariage. Donc, mettez la main droite sur le cœur, l'autre main sur le bas ventre. Sang de Jésus, trois fois, un de toi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je révoque toute alliance. Je révoque toute alliance avec un ancien partenaire sexuel. Avec un ancien partenaire sexuel. Dans mes pensées, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes paroles, dans mes sentiments. Dans mes sentiments, dans mon comportement, dans mon comportement, je commande que ces alliances passées, que ces alliances passées avec telle ou telle personne, avec telle ou telle personne, dont je viens de mentionner le nom, dont je viens de mentionner le nom, ou même dont je m'en souviens pas, ou même dont je ne m'en souviens pas, que le Père de l'Archange Michel, que le Père de l'Archange Michel. Prie ces alliances. Annule ces alliances. Annule ces alliances. Révoque ces alliances. C'est une des prières importantes. That's one of the prayers that's most important. Peut-être que tu n'auras plus l'occasion de faire cette prière. Maybe we'll never have this occasion to do this prayer. Mais fais cette prière avec moi. But do this prayer with me. Ces tests que nous allons méditer. This test we're going to meditate. C'est pour aller où ils sont dans les eaux pour les frapper. It's to go where they are in the waters to strike them. Wherever they are. C'est pourquoi lève la main. That's why lift up your hands. Pendant que tu reçois la prière. When you're receiving your prayer. Pendant que tu reçois la prière, will you receive the prayer? Je t'en supplie, va dans ces lieux en esprit. Get into those places, il y a une parole pour aller dans ces there lieux. Is a word to go to those places. Et quand tu vas aller dans ces and lieux, where you're going to go there, à cause de cette parole, because of this word, cette parole va relâcher un ange avec son épée. An angel with a sword. Et si tu dis cette parole avec foi et avec assurance, this word of faith and assurance, l'ange avec son épée the angel with his sword, va aller dans les eaux maintenant we go même. Into the world now. Mais il ne peut aller que parce que Dieu approuve ce que nous faisons. C'est parce que individuellement l'ange parte. C'est pourquoi faire cette prière avec autorité et aller partout où ils sont. Partout où vous voyez en rêve. Les eaux dans lesquelles vous voyez. Les lieux qui semblent influencer votre conjoint ou vous-même. Allez dans ces lieux maintenant. Parce que l'ange va aller pour frapper. Comme l'ange a frappé en Égypte. Alors il faut que vous voyez ces lieux. Parce que l'ange va aller frapper. Feu du Saint-Esprit, trois points de trois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Tends les mains vers moi. Ésaïe 27. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Tout serpent, tout esprit des eaux, il doit être frappé maintenant au nom de Jésus. Tends la main droite. Michel Archange, trois fois, un, deux, trois. Michel Archange. Michel Archange.
Michel Archange. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Ce jour-là. Ce jour-là. Le Seigneur frappera. Le Seigneur frappera. De sa grande épée. De sa grande épée. Le Léviathan. Le Léviathan. Le serpent. Le serpent. Et il tuera. Et il tuera. Le monstre. Le monstre. Qui est dans la mer. Qui est dans la mer. Oh Dieu. Oh Dieu. Envoie ton ange. Envoie ton ange. Tout esprit des eaux. Tout esprit des eaux. Esprit des serpents. Esprit des serpents. Tout esprit adoré par mes parents. Tout esprit adoré par mes parents. Qui combat mon mariage. Qui combat mon mariage. Qui soit frappé ce soir. Qui soit frappé ce soir. Par l'épée de Michel. Par l'épée de Michel. Partout où ils sont. Partout où ils sont. Dans les eaux. Dans les eaux. Les forêts. Les forêts. Les arbres. Les hôtels, les hôtels, les montagnes, les montagnes, les pierres, les pierres, les Regardez ce texte, Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés. Quoi que tu aies dit, amen. Oh. Amen. Christ, sang de Jésus encore. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole déclare, ta parole déclare que tu nous as rachetés, que tu nous as rachetés de la malédiction de la loi, de la malédiction de la loi, sur la croix, sur la croix, tu t'es fait malédiction, tu t'es fait malédiction pour moi, pour moi, afin que j'aie ta bénédiction, afin que j'aie ta bénédiction ce soir, ce soir, oh Dieu, oh Dieu. Pendant que je tiens le doigt où je mets la bague. Pendant que je tiens le doigt où je mets la bague. Rachète mon mariage. Rachète mon mariage. Que je viens de faire sortir des eaux. Que je viens de faire sortir des eaux. Et qui avait été vendu. Et qui avait été vendu. Par les sorciers de ma famille. Par les sorciers de ma famille. Car tu viens de dire. Car tu viens de dire. Que tu m'as racheté. Que tu m'as racheté. De la malédiction du célibat. De la malédiction du célibat. Étant devenu toi-même. Étant devenu toi-même. Malédiction pour moi. Malédiction pour moi. C'est pourquoi au nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus. Je sors mon mariage. Je sors mon mariage. Des mains des sorciers. Des mains des sorciers. Mon mariage. Mon mariage. Mes finances. Mes finances. Sont totalement délivrées. Sont totalement délivrées. Mariage. Mariage. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es guéri. Tu es guéri. Je proclame. Je proclame. Que Christ. Que Christ. M'a totalement délivré. 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 De la malédiction du célibat. De la malédiction du célibat. Que j'ai hérité de mes pères. Que j'ai hérité de mes pères. Par son sang précieux. Par son sang précieux. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Au ciel. Au ciel. À la terre. À la terre. À l'air. À l'air. Aux eaux. Aux eaux. Je déclare. Je déclare. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Mon mariage. Mon mariage. Et tous ses accessoires. Et tous ses accessoires. Sont déclarés. Sont déclarés. Rachetés. Rachetés. Par le sang de Jésus. Déclare, déclare ça. Mon mariage est racheté. Par le sang de Jésus. Pour rapprocher. Commence à proclamer ta délivrance, proclame ta délivrance. Tu es libre. Ma famille est libre. Je suis 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 libre. Ma famille est libérée. Ma famille est libérée. Si vous avez été béni, édifié et transformé par cet enseignement, ou si vous avez des préoccupations, ou si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant. 01 31 51 06.